navire et montant d'amertume. Cette nostalgie de vieux largués. Avec ce nouvel album au texte finement ciselé et à l'écrin musical réalisé par une équipe jeune, Salvatore Adamo témoigne d'une envie de s'amuser. Entre espièglerie et nostalgie, l'artiste casse l'image lisse qui lui colle à la peau jusqu'à se moquer de lui-même. Oui, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment tenu à me mettre en boîte à chaque fois que je le pouvais. L'espièglerie a toujours été un de mes traits de caractère à l'école déjà. Cette fois-ci, j'ai voulu mettre l'accent dessus parce que c'est vrai, je sais que j'ai l'image d'un homme lisse et entre guillemets gentil et je l'accepte et j'en suis fier. C'est ma vie, c'est ma vie. Après et malgré quelques 90 millions de disques vendus dans le monde, Adamo n'a jamais oublié d'où il venait. GMAP, le pays béni de son enfance, avec ses proches, les témoins de ses premiers succès, sa mère et son père. La batterie à Beaucussec. Son père qui fut son premier manager au milieu des années 60. Je ne suis pas passéiste, mais j'ai quand même conscience que c'était une période euphorique. Il y avait une joie innocente. On pouvait exprimer des bons sentiments sans engendrer l'ironie. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, hein ? En un peu plus d'un demi-siècle de carrière internationale, Adamo n'a rien perdu de son élégance et de sa modestie. Allons, les copains, je ne sors quand même pas de tôle. Je te chante ma chanson. Ces refrains expriment les sentiments humains qui font de leur auteur un chanteur moins candide qu'il y paraît et souvent impliqué dans le monde. Sans passion, vaille que vaille, de belle en belle, mais ça va bon.